Maître Vagdor, que puis-je faire pour vous ? Avez-vous caché le nid de frelons asiatiques sur la planète Terre ? Le Jedi des frelons l'a détruit. Pourtant, il était bien caché dans une cabane. Des frelons ? Encore lui ? Il a encore gagné avec la force de ses abonnés. Mais c'est pas fini. La saison commence à peine. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui, encore un nid de frelons asiatiques dans une cabane en fer. À côté de quoi ? Alors, c'est pas une piscine, mais c'est un petit bassin à poissons. Donc, il y a de l'eau et juste à côté, il y a le nid de frelons asiatiques. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc je vais m'habiller et on va aller quitter ça. C'est parti. Allez, on y va. On va voir ça. La cabane ne s'ouvre pas plus. On va rentrer ça à l'intérieur. Salut les petits frelons! Vous voyez comment ils sortent du nid? Ils sentent qu'il y a un petit danger. Donc il n'est pas trop gros, hein. À sortir, on va faire un petit coup. Voilà, ça suffit. On va s'agir maintenant. Bon, mais voilà, le nid est traité, tout va bien. Bon, mais vous avez vu quand même, ces frelons, ça reste dangereux. Alors, c'est des petits nids, hein, c'est pas gros, il n'y a pas beaucoup de frelons à l'intérieur, mais c'est toujours quand même mal placé quand même. Dans une cabane, vous rentrez là-dedans, vous bougez un peu la porte et ça, hop, une piqûre peut arriver. Donc, ben voilà, les petits nids, c'est le début de saison, c'est normal, mais ça reste quand même très dangereux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des commentaires, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les Dédés.